La Coupe d'Afrique des Nations amorce petitement ces derniers instants. Les quarts de finale se poursuivent ce soir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, le monde universitaire pleure depuis hier. Le professeur Paulin Mutondji, agrégé en philosophie et en politique, il est également président du réseau laïque pour la réhabilitation de l'église protestante méthodiste du Bénin. Suivez dans ce journal le témoignage de l'un des fidèles de l'église et membre du réseau Sur l'homme. Mise en formation pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle, l'activité lancée avec le soutien du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle prend en compte 2188 jeunes hommes et femmes âgés de 15 à 30 ans. Les précisions à suivre. Et puis, après le coup fort, c'est l'Atlantique qui accueille la deuxième phase du programme Ilewa Academy, un programme qui a pour but de créer une masse d'adolescentes et jeunes non scolaires et actrices de changement social et de comportement en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation des filles. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Deuil dans le monde universitaire. Le professeur Paulin Mutondji s'est éteint ce vendredi 2 février 2024 à l'âge de 81 ans. Professeur agrégé de philosophie, il a occupé de nombreux postes sur le plan politique, dont celui de ministre de la Communication de 91 à 93. Comment la nouvelle est-elle accueillie au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin, alors que Paulin Mutondji devait diriger les travaux de l'Assemblée générale des laïcs de l'UPMB qui se sont ouverts hier vendredi 2 février? Le professeur John Higué porte la voix des fidèles de l'UPMB. On l'écoute. Écoute au micro de Teddy Goudalo. C'est une grande perte pour sa famille, pour l'église protestante méthodiste et pour la nation béninoise. Il fait partie des tout premiers intellectuels qui font la gloire tant de sa famille, de l'église que de la nation. De pareilles têtes, il n'y en a plus beaucoup dans le pays. On ne peut pas chausser les sandales de Paulin. Ce n'est pas la force des choses que je le remplace aujourd'hui. C'est une grosse tête et un homme courageux et de principe. Courageux. C'est une perte énorme pour le pays parce qu'on n'a pas encore son remplaçant. Et il est mort à 6 heures. Tout le monde était déjà ici quand il est mort. Donc on ne peut plus demander à ceux qui sont venus de très loin, comme la région de l'Alborie, de retourner chez eux. Et puis, il est mort, l'âme à la main, il est mort de la guerre du Christ. Vous comprenez? Il est mort, l'âme à la main. Donc, à cause de ça, on ne peut pas reporter l'Assemblée. Sa mort est une grande mort. Là où il n'y a pas de justice, les vrais chrétiens doivent se battre pour que règne la justice. C'est ce que fait Paulin Mutondji, ça. Là où il n'y a pas de justice, les vrais chrétiens doivent se lever pour se battre pour la justice. C'est le rôle de Paulin, ça. Et ce rôle-là est un rôle essentiel pour un chrétien. La justice. Sans la justice, il ne peut jamais avoir la paix. Donc c'est son rôle, ça. Et ce rôle, il le joue bien. À la suite du professeur John Higué, nous avons également tendu notre micro à son ancien directeur de cabinet sous le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il s'agit du professeur Pierre Metinkwe, aujourd'hui à la retraite. Paulin Mutondji était un homme de principe, nous dit-il. Nous allons suivre ensemble les anecdotes de Pierre Metinkwe, toujours au micro de Teddy Goudalo. Je voudrais d'abord m'incliner devant sa dépouille mortelle et saluer sa mémoire. J'ai connu Paulin Mutondji en 1979. Je venais de rentrer au pays après mes études en France. Il était, précisément cette année-là, directeur des commissions et conseils nationaux du ministère des enseignements techniques et supérieurs. La révolution s'étant essoufflée, il y a eu
la conférence des forces vives en 1990. Et Paulin, qui était un homme de grand courage, a joué un rôle essentiel, notamment dans le débat sur la souveraineté de la conférence nationale. Et à la fin de la conférence, celui qui a été élu premier ministre, Nicéphore Soglo, a décidé de faire de lui le ministre de l'Éducation nationale. Il a résisté. Le premier ministre a dit « Je ne comprends pas. Vous m'avez obligé à accepter la primature et vous allez refuser d'être ministre ?» Il a fini par accepter et il m'a choisi comme directeur de cabinet. Et nous sommes restés au ministère de l'Éducation nationale, en tout cas moi, comme directeur de cabinet, de juin 1990 jusqu'en 1991. En 1991, Soglo, ancien Premier ministre, est devenu président de la République. Il a donc refait son gouvernement. Et il a enlevé Paulin Houtondji de l'Éducation nationale et l'a envoyé au ministère de la Culture. Et le ministre m'a demandé de le suivre à la Culture. Et je suis resté avec lui de 1991 jusqu'en 1993 au ministère de la Culture. Et ma collaboration avec Paulin a continué. Nous avons écrit quelques petites choses ensemble. C'était un homme qui avait des idées, qui avait des projets, qui n'arrêtait pas de phosphorer. Il me mêlait à tout ça. Il a fini par créer à Porto-Novo l'École africaine des hautes études, installée à la Bibliothèque nationale. Puis les financements ont été coupés et la bibliothèque qu'il a installée là-bas était exposée aux intempéries. Il m'en a parlé récemment et il m'a dit, tu vois, c'est l'un des échecs de ma carrière. Et puis nous avons évoqué rapidement la question de la mort parce qu'il partait à un colloque à Paris et rejoindre des philosophes avec qui il avait entrepris des projets il y a quelques années. Il m'a dit beaucoup sont morts, mais les quelques-uns qui restent ont tenu à ce qu'il y ait un colloque et j'y vais. C'est la dernière conversation que nous avons eue. Quand il est revenu, on ne s'est pas appelé et ce matin, j'apprends qu'il a rejoint l'éternité. Je souhaite la paix à son âme. Nous abordons la page politique de cette édition avec le débat en cours actuellement dans le pays, notamment sur la relecture du code électoral et la révision de la Constitution qui continue de faire réagir les formations politiques. Le Bureau politique national de Moël Bénin, réuni en session extraordinaire ce jeudi 1er février, a donné sa position sur la question. Dans une déclaration lue par le directeur de la cellule juridique de Moël Bénin, le parti a proposé un diagramme de solutions ne nécessitant pas une modification de la Constitution. Suivez un extrait de cette déclaration. Prétestant de cette injonction de la Cour constitutionnelle, un député du parti politique Bloc républicain a le vendredi 26 janvier 2024 déposé sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de la Constitution en vue d'inverser l'ordre des élections en mettant les présidentielles en février 2026 et les élections couplées législatives municipales en mai 2026. Ceci pour soi-disant prémunir notre pays d'une cohabitation en 2026, comme si le régime politique en vigueur au Bénin était de type semi-présidentiel avec un gouvernement que le président élu ne dirige pas. Que pour le parti Moël Bénin, la question fondamentale posée n'étant pas relative aux dates de différentes échéances électorales telles que stipulées par la Constitution, il ne semble pas utile de penser ipso facto à une modification de la Constitution pour répondre à l'invitation de la Cour constitutionnelle. Il y a donc lieu de s'en tenir simplement à l'application de la décision de la Cour constitutionnelle par la relecture du code électoral. Car le problème posé en l'espèce
est celui du rétablissement de l'égalité entre les maires en ce qui concerne leur pouvoir de parrainer les duos de candidats à l'élection présidentielle de 2026. Après examen de la question, la plénière du Bureau politique national du parti Moël Bénin a adopté à l'unanimité un diagramme de solutions ne nécessitant pas la modification de la Constitution qu'il propose à la nation. Il s'agit de 1. Laisser le code électoral en l'état pour mettre à profit les 8 jours plus 3 prévus par le législateur pour permettre aux candidats de compléter leur dossier. Ce faisant, la date limite de dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle de 2026 passerait du 5 au 16 février 2026, soit 24 heures après la date limite d'installation de tous les conseils communaux. Ou, 2. Ramener à 30 jours de l'ouverture de la campagne électorale la date limite de dépôt des dossiers de candidature au lieu des 50 jours initialement prévus. Pour finir, le parti Moël Bénin observe et déplore l'absence d'un cadre de concertation au sein de la majorité présidentielle qu'il a toujours appelé de ses vœux. Quant au président du parti, Jacques Ayadji, il a formulé le lundi 29 janvier 2024 un recours en inconstitutionnalité de l'article 151 du Code électoral du Bénin. Le requérant souligne une forme d'exclusion et d'injustice dans les dispositions de cet article. Je vous propose de suivre les raisons qui ont motivé l'introduction de ce recours. Parce que personne ne comprend pourquoi, dans le même Code électoral, en ce qui concerne l'élection du président de la République, il n'y a aucun critère de durée de résidence aux candidats. Il suffit que les candidats soient présents sur le territoire national pendant la période électorale pour être éligibles du point de vue de ce critère de résidence. La même chose au niveau des conseillers municipaux et communaux. Aucune condition de durée de résidence. On est surpris de se rendre compte que c'est seulement pour les législatives que ceci est imposé, si bien que si vous êtes béninois de l'extérieur, vous ne pourrez pas candidater. Et aussi, si vous êtes béninois de l'extérieur et vous êtes venu vous rétablir définitivement dans votre pays et que les élections législatives ont lieu moins d'un an après votre retour définitif, vous ne pouvez pas candidater. Ça paraît quand même surprenant, c'est discriminatoire. J'ai même expliqué au président de la Cour qu'il est dans le cas, parce qu'on sait que dans une ancienne vie, il avait eu à travailler à l'extérieur du pays. Je lui ai demandé d'imaginer qu'à son retour, qu'il y ait des élections à 11 mois de la date de son retour définitif et qu'on l'exclue. Est-ce qu'il sera d'accord? Et j'ai précisé également que je connais la raison pour laquelle ceux qui ont fait ce code, pas le code, parce qu'on a commencé par des lois électorales, et cette disposition a commencé par être prévue dès la première loi électorale, et chaque fois qu'on actualise la loi jusqu'au code, c'est reconduit. Mais ceux qui ont fait ça en 91, je sais pourquoi ils l'ont fait. J'ai expliqué à la Cour que ce que je dis est subjectif, mais je vais quand même le dire, parce que cette disposition a été mise dans la loi pour exclure ceux qui n'étaient pas venus à la conférence nationale. Et les gens qui ont fait la conférence nationale ont créé une sorte de syndicat pour faire leur loi, pour empêcher ceux qui sont arrivés après. Donc, si vous n'êtes pas à la conférence nationale, ça veut dire que en février 1990, vous n'êtes pas au pays, et en février 91, vous n'auriez pas fait un an.
dans cette disposition, c'est pour exclure ceux-là. Et si vous pouvez la question de savoir pourquoi on n'a pas reconduit ce critère à l'élection présidentielle, c'est que ça va les frapper eux-mêmes, parce qu'il faut déposer les dossiers 50 jours avant une date, et ça risque de tomber avant février. Et comme ils sont rentrés en février pour la conférence nationale, ils n'auraient pas fait un an. C'est pourquoi, de façon, opportunément, ils n'ont pas mis ça. Donc c'est une manœuvre d'exclusion qu'il faut corriger. On peut aussi se demander pourquoi pour les conseillers communaux, ce n'est pas mis. Parce qu'ils ont déjà oublié. Parce que vous voyez, on n'a pas commencé dès le départ à faire les élections des maires. C'était les sous-préfets qu'on nommait en 91. Donc quand on a fait la décentralisation, il n'y avait pas ce besoin d'exclusion. Donc c'est pourquoi ils n'ont pas mis de critères pour les candidats au poste de conseiller communaux. Donc voilà un peu mon intime conviction par rapport à cette disposition d'exclusion que ceux qui étaient à la conférence nationale ont introduit dans la loi et qui a la peau dure jusqu'à maintenant. Nous espérons que l'occasion est venue pour que cette injustice soit corrigée. Face aux conseillers de la Cour constitutionnelle lors de l'audience plénière de ce jeudi 1er février 2024, le président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, a démontré à la Cour que le droit à l'égalité des citoyens d'accéder à une fonction publique et politique qui est d'être candidat aux élections législatives par rapport aux autres élections est violé. À cette séance plénière, un report de l'audience a été décidé par la Cour. Jacques Ayadji revient ici sur les raisons de ce report. La posture de l'Assemblée nationale ce matin n'a pas permis d'avancer dans le dossier. Parce que quand moi j'ai exposé mes arguments, il faut que l'Assemblée se prononce. Le président de l'Assemblée a expliqué à la Cour qu'ils ont reçu la requête hier tard dans la nuit et qu'ils n'ont pas eu le temps de se prononcer là-dessus. Donc c'est eux qui ont demandé à la Cour de reporter l'audience pour leur permettre d'examiner le recours et de pouvoir faire leur contre-observation éventuellement. J'ai profité de l'audience pour remettre entre les mains de chaque conseiller de la Cour une copie de notre offre de législature pour leur montrer que ce n'est pas la conjoncture actuelle qui nous a amené à faire ce recours, que c'est déjà quelque chose qui est prévu dans notre offre. Nous avons battu campagne sur ça pour dire que si nous gagnons les élections législatives, nous allons faire cette proposition pour, entre autres, modifier cet article pour régler ce problème d'exclusion. Dans la suite de cette édition, lancement de la mise en formation pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle, l'initiative soutenue par le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'inclusion des jeunes prodiges. 2188 jeunes hommes et femmes âgés de 15 à 30 ans en sont les bénéficiaires. Ils seront formés dans 10 métiers en lien avec les secteurs prioritaires de l'économie nationale. Fruit d'une collaboration multipartite, l'initiative dénote surtout de l'engagement du gouvernement à renforcer le capital humain et de disposer de ressources humaines qualifiées pour le développement du pays. Plus de détails avec Emmet Hélène Amoussou et Georges Vaudounan. Sur 14 007 postulants, ils sont 2188 jeunes retenus. Ils vont participer à une formation professionnelle par apprentissage de type dual, aboutissant à l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQP. Cette première cohorte de bénéficiaires va s'exercer et se perfectionner dans 10 métiers d'avenir en lien avec les secteurs prioritaires de l'économie nationale. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une des composantes du projet d'inclusion des jeunes prodiges. Le projet vient capitaliser les acquis du projet emploi des jeunes pour implémenter une approche novatrice grâce au dispositif Azoli
qui propose une gamme de formations dans différents métiers pour déboucher sur le travail, c'est-à-dire l'emploi salarié et le travail indépendant. Chers apprenants bénéficiaires, vous faites partie de la première cohorte. Donc la réussite qu'on aura avec vous dans cette formation-là va déterminer davantage les autres jeunes qui sont à la touche et qui attendent d'être appelés aussi. Aboutissement d'un processus lancé en juin 2021, la présente cérémonie a été l'occasion de préciser les modalités de la formation, qui est une formation par alternance et va se dérouler pendant 18 mois. Plusieurs dispositions sont prises pour faciliter la formation aux apprenants, notamment aux apprentis, mais... Il s'agit d'un dispositif destiné à offrir un service garde approprié aux enfants de 4 mois à 3 ans dans un cadre sûr, facilitant la pleine participation de leur mère aux travaux d'apprentissage. Aussi, dans le souci d'une amélioration de la qualité de la formation, le projet a accepté d'équiper les établissements abritant les dites formations en matériel et équipements didactiques de pointe. Le processus d'acquisition des équipements et marchés est déjà lancé. À la suite de cette première vague d'apprenants, bien d'autres regroupements seront faits. Le recrutement de la deuxième cohorte est déjà annoncé et les agents enregistreurs vont sillonner tous les arrondissements du pays pour l'inscription de nouveaux postulants. Chers apprenants bénéficiaires, vous êtes des privilégiés et je vous exhorte à faire preuve de courage, d'abnégation et de conscience avec cette formation. Vous avez l'occasion d'être titulaire aussi bien du certificat de qualification au métier, mais également du certificat de qualification professionnelle. Et je souhaite vivement que le taux de déperdition soit zéro à la fin de la formation, avec un taux de réussite de 100% à l'évaluation certificative. Preuve de l'engagement du gouvernement à renforcer le capital humain et de disposer de ressources humaines de qualité pour le développement structurel et le bien-être des populations, l'initiative est soutenue par la Banque mondiale. Après Toviklin dans le département du Koufo, la commune de Soava dans le département de l'Atlantique accueille avec joie la deuxième phase du programme Ilewa Academy. C'est un programme qui vise à créer une masse critique d'adolescentes et jeunes non scolaires et actrices de changement social et de comportement en matière de DSSE, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation des filles. 30 jeunes filles âgées de 15 à 24 ans sont sélectionnées pour cette formation prévue pour durer 4 mois au sein de la mairie de Soava. Compte rendu de la cérémonie de lancement de Teddy Goudalo présentée par Candide Rouhinton. Ces bénéficiaires du programme Ilewa Academy phase 2 sont rigoureusement et soigneusement sélectionnés dans la commune de Soava. 30 au total, ces jeunes filles dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans vont se faire former sur différentes thématiques telles que la santé, l'éducation, les violences basées sur le genre, la gestion de l'hygiène menstruelle, le leadership et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le grand jour pour un grand programme, pour un programme de développement, de transformation sociale. Et donc, nous voudrons encore vous remercier de nous avoir accueillis aussi chaleureusement dans la commune de Soava. Ilewa Academy est un programme de transformation sociale qui vise à renforcer l'autonomisation de 90 adolescentes et jeunes filles non scolarisées dans 3 communes du Bénin. Le programme Ilewa Academy a pris corps en octobre 2022 à Toviklin, département du Koufo. Soava est la deuxième commune d'accueil. Toribosito est la prochaine sur la liste. La formation se déroule sur 4 mois durant, avec 6 mois de suivi de paix éducatif, assorti de la mise à disposition par l'ONG Ilewa du matériel pour la poursuite de leurs activités génératrices de revenus. Nous aurons dans la deuxième phase une formation sur des activités génératrices de revenus qu'elles ont elles-mêmes choisies au préalable pour pouvoir renforcer leur autonomisation financière. Chacune de vous est une personne spéciale. Vous êtes née pour marquer votre génération. Libérez la parole, mais surtout, emplissez-vous de tout le savoir qui vous sera transmis. Ici à Soava, nous parlons des
violences faites aux femmes. Nous parlons de manque d'activité génératrice pour les filles. Nous parlons de l'analphabétisme. Le programme a choisi les filles déscolarisées, les filles adolescentes, les filles mères. Je voudrais vous remercier très sincèrement. L'engagement que nous prenons ici ce matin, c'est de faire en sorte que les 30 filles qui ont été choisies, nous allons les accompagner en ce qui nous concerne pour que d'autres filles soient choisies. Le déploiement de ce programme de transformation sociale ici à Soava constitue une fierté pour parents de bénéficiaires et autorités communales. Tous ont accueilli avec joie le programme Ilewa Academy dans sa phase 2. Voilà qui boucle cette édition. Suivez tout à l'heure à 18h le match qui oppose le pays hôte, la Côte d'Ivoire, au Mali. Et plus tard à 21h, celui entre le Cap-Vert et les Sud-Africains. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous.